C'est du 26 au 27 mars que se tiendront les Assises nationales de la fiscalité, organisées par le ministère de l'économie via la Direction générale des impôts. Une occasion pour son directeur général de présenter l'événement. Ces assises s'inscrivent dans le droit fil du plan stratégique Gabon émergent qui prescrit notamment l'alignement de la politique fiscale à ce vaste programme. C'est précisément l'action 46 dans le programme phare cadre de politique économique. Cette action précisément vise à accroître les recettes fiscales sans pour autant nuire à la compétitivité des entreprises. Il s'agit d'élargir l'assiette fiscale, de faire contribuer davantage au budget de l'État le secteur informel, donc de maîtriser le secteur informel en se donnant les moyens et la méthodologie idoine à cet effet. Pour le directeur général des impôts, Joël Ogouma, il faut poser des diagnostics et chercher à doter le Gabon d'un cadre fiscal moderne. Ces assises nationales de la fiscalité ont pour objectif de doter notre pays d'un cadre fiscal moderne et attractif qui permet de sécuriser les recettes fiscales, mais aussi de favoriser l'investissement privé tout en promouvant l'épargne, n'est-ce pas, dans l'optique d'une croissance équilibrée et inclusive. Pour les années 2013 et 2014, la DGI, Direction générale des impôts, a réalisé des recettes de l'ordre de 829 milliards et 835 milliards. Mais pour l'année en cours, la chute du pétrole impose de revoir la copie. La culture est l'essence de l'homme. C'est la matière première qui permet à l'être humain de s'assumer, de se construire et de vivre en harmonie avec l'autre. C'est dans cet esprit d'élévation et de partage que la troisième édition du Salon international du livre et des arts de Libreville se prépare. Cette année, l'événement aura quelques particularités. Le programme, c'est autour de l'expo-vente, du livre et des arts, des conférences débats, les universitaires débattent autour d'une question avec plusieurs panels pendant la durée du salon, avec la leçon inaugurale. Cette année, elle sera faite par un enseignant de haut vol gabonais, Steve Renombo, qui n'est plus à présenter, et plusieurs panels tout au long de cette conférence-là jusqu'à samedi 4 avril. Les écrivains gabonais qui seront aussi à l'honneur, comme Tino Achebe l'est en hommage à son œuvre. Nous avons donc retenu cet illustre écrivain qui est de nationalité nigériane. Vous comprenez donc que le Nigeria est le pays à l'honneur. Des écrivains et des acteurs culturels viendront d'autres pays et bien sûr, des Gabonais y prendront part. Je demande à plus de jeunes de participer à ce genre d'événement. Parce que souvent, quand on entend salon du livre, on pense que c'est réservé aux écrivains ou tout genre d'auteurs. C'est bien d'être curieux et d'arriver, voir, comprendre comment ça se passe, de quoi il s'agit. Donner du leur. Donner du leur, c'est aussi écouter et discuter. Le Salon international du livre et des arts se tiendra dans les locaux du Gabon Télévision. Une tombola permettra au public de gagner des lots, dont un billet d'avion et des bons d'achat dans des magasins de Libreville. Je vous fais un rapide point sur la situation dans l'éducation. Nous ne ferons pas le point lycée par lycée, école par école,
en termes de taux de fréquentation, le ministère de l'Éducation nationale, mieux placé, s'en chargera le moment venu. Nous ferons le point sur la question de la reprise globale des cours. Je voudrais d'abord rappeler les éléments qui ont conduit à la situation actuelle. Ça a été des revendications fortes au sein de l'administration publique, mais s'agissant de la situation de l'éducation, ça a été des revendications de certains enseignants autour de la question du paiement de la PIP et de la question de l'intégration d'un certain nombre d'agents, notamment du pré-primaire. Et cet ensemble réuni a conduit le chef de l'État, comme vous le savez, le 17 novembre 2014, à lancer l'ouverture de négociations. Et pendant ces négociations, deux catégories sont un peu dégagées, ceux qui voulaient un certain nombre d'augmentations dans l'immédiat et ceux qui étaient prêts à attendre que cela se fasse conformément au nouveau système de rémunération à l'examen. C'est ainsi que les dernières semaines ont connu une crispation avec plus tard la remise du rapport qui a permis de commencer à amorcer le dénouement. La remise du rapport a donc donné lieu à des discussions sur les instructions du chef de l'État entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et cela a donc abouti au paiement de la PIP. Cette PIP a été payée pour une grande partie. Il y a encore des enseignants à ce jour, en tout cas jusqu'à ce matin lorsque le point était fait, il y a encore des enseignants qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore entrés en possession de cette PIP du fait de quelques retards de transmission de dossiers administratifs. Ici au marché de Muila, on trouve un peu de tout, bananes, poissons, fumées, légumes et bien d'autres denrées alimentaires. Mais seulement, les femmes de ce lieu par excellence où l'offre et la demande se côtoient au quotidien expriment leur mécontentement face aux différents manquements constatés. Vous voulez qu'on présente quel genre de situation? Ça, ce n'est pas un marché qui correspond à la capitale provinciale de Muila. Le tout premier marché, c'est ici. Mais ça, vous voyez ici. Quand on parle, c'est juste ici. Ça, c'est une place pour une commerçante. Voyez un peu toute la marchandise que nous avons là-bas. Ça ne peut pas suffire ici. Et quand les gens occupent toute cette place-là, les gens vont s'asseoir ici. Vous avez vu un marché dans tout le Gabon, un marché à deux tournées. Les autres s'asseyent ici, l'autre là-bas, et on se frotte le dos. Elles veulent travailler dans de bonnes conditions, des conditions qui leur permettent d'exercer dignement leurs activités génératrices de revenus. Ici à Muila, il n'y a rien. Ils viennent seulement nous embêter tout le temps pour venir demander les tickets. Et quand il pleut, vous-même vous avez vu, il a plu hier. Vous voyez l'état? C'est l'eau. Donc quand il pleut ici, là, on court pour aller nous cacher là-bas. C'est pourquoi on a décidé, on a préféré aller dehors pour nous mouiller une bonne fois. Parce que ça ne nous sert pas. Elle refuse d'être soumise au dictat des intempéries et appelle au bon sens des autorités municipales de leur venir en aide. C'est grâce à ces activités que nous nourrissons nos familles, que nous envoyons nos enfants à l'école, peuvent-elles conclure.